L'autre côté, en vert en droit. Avec une inscription en talon, on peut lire 980-05. Hein, ça a été marqué à chaud à l'arrivée de la meule. Donc 980, c'est quoi? C'est le code interne à l'entreprise qui nous indique que cette meule a été fabriquée dans la coopérative de Chapelle-Duin. J'ai détecté cette fissure. Hein. C'est pour ça que j'ai éteint le robot, c'est pour que tout le monde puisse bien entendre. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je recherche, hein? Je recherche une différence de bruit. Là aussi, c'est tout bon? Voilà, à cet endroit-là, on va le faire, hein, ne bougez pas. Donc, à cet endroit-là, j'ai entendu une petite différence de bruit. Je vais le refaire pour que tout le monde puisse bien entendre. Donc là, on a le bruit quand le fromage est massif. Voilà, et donc à peu près à 2 cm du croûtage, on a cette petite cassure en fait. Vous voyez, ça m'arrive de rater, hein. Mais là, c'est bon.
Chaque village ou presque de la zone comtée possède sa fruitière. À Chapelle-Douin, Michel Pritzi en est le président. La fruitière, le fruit du travail, est une fromagerie où on rassemble le lait des exploitations. Le décaillage parfait, pas d'odeur particulière en cuve, donc il n'y aura pas de contamination. Le fromager a l'immense responsabilité de transformer le lait en comté. La méthode de fabrication est la même depuis des siècles. Ce fromage aux multiples arômes est avant tout le fruit d'un terroir. Les meules de comté renferment ces arômes. Pour les enrichir, le fromager est aux petits soins. Journalièrement, on retourne un fromage, il est salé et il est frotté le lendemain. Et vice-versa, le surlendemain, il est retourné, salé et frotté le lendemain. L'affinage en cave va durer jusqu'à 18 mois. Pour prendre du goût, le comté doit prendre son temps.